Les cadets, dans le deuxième tour, on est dans le faux plat. Visiblement, ça a explosé. C'est la fête? Je sais pas s'il y en a encore devant. Très joli faux plat de Marcoing. Bon, nous, on n'a pas eu d'eau, hein. Je leur souhaite pareil. Voilà, on est au bout du faux plat. Voilà, la route était boueuse. Pas partout, hein. Bon, c'était pas dangereux. C'est salissant. En peloton, évidemment, on s'en est mis plein le plastron. Mais bon. Si ça repleuvait, peut-être que. Mais là, comme ça, à part sec, non. Ça passe. Alors, je vais leur demander si c'est eux les premiers, parce que là, il n'y a absolument personne devant eux. Hein. Voilà, on est en haut. Bon, derrière, c'est le désert. Ici, il fallait faire attention. Tout à l'heure, nous, c'était quand c'était humide. Vous êtes les premiers? Vous êtes les premiers? Vous êtes les premiers? Ben, y a personne devant vous? Ça y est, meuble la voiture ouvreuse. Troisième tour pour les cadets. Il tombe des gouttes. Il ne pleut pas, mais il tombe des gouttes. Le temps que je prenne mon chausson aux pommes, et ben voilà, ils attaquent. Pas sérieux ça, hein.
Troisième tour, ils en ont 5. Le fourmisien remet ça. La guerre. Je vais me remettre devant parce que là on rentre dans mon coin et ça peut être dangereux. Quatrième fois le faux plat. Fourmisien qui fait le forcing. Voilà, on arrive en haut. Je m'étonnerais qu'il n'y en ait pas un qui rattaque. Avant-dernier tour pour les cadets. Il se retourne et qu'il voit l'aiguille est cuit. Ah, Jimmy s'est retourné, il a vu. C'est tout, ils sont partis à deux.
pas grand chose, mais là il va prendre le vent. Dernier tour pour les cadets. Viens derrière, ça ici ça roule moins fort. Mais ils l'ont vu, alors évidemment ils remettent une pelletée dans le feu. Ah c'est cruel. On arrive en haut. Maintenant ça pleut, hein.